Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Cette série d'émissions a été proposée par M. Labbé et on avait commencé par nous interroger sur qui nous étions, qui sommes-nous. Deuxième réflexion, d'où venons-nous? Et aujourd'hui, M. Labbé nous pose la question de savoir où sommes-nous, contrairement à ce qui a été écrit au passage du générique. Alors, je vous présente mes invités. D'abord, M. Modeste Bonicaba. M. Modeste Bonicaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, M. Kibambi. Vous vous présentez un homme d'affaires, sans cravate et tout, en fermier, ça change. Hein? Très bien. Alors, deuxième personnalité à ma droite, j'espère que nos amis de la caméra sont prêts, c'est M. Labbé. José Pondou, M. Labbé, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Jean-Pierre. On a retrouvé le clergyman. Absolument. Et ça vous voit très bien. Merci. Et la troisième personne, c'est le tout jeune homme, Cédric Kabea. Bonsoir et bonjour. Bonsoir, bonjour, M. Kibambi. Alors, la première question, je crois que nous devons la poser à l'auteur de ces interpellations ou de ce questionnement. Il s'agit donc de M. Labbé Pondou. M. Labbé Pondou, où sommes-nous? Répondez directement à la question, s'il vous plaît. Où sommes-nous? Sur différents plans. Je commencerai par le plan culturel. Où sommes-nous sur le plan culturel? Aujourd'hui, lorsque nous observons notre vécu au Congo, en RDC, sur le plan culturel, nous devons reconnaître que nous vivons d'une culture d'emprunt. Et je ne veux pas aller loin pour, disons, illustrer, démontrer cela. Nous sommes en train de faire une émission ici au Congo, en RDC, dans quelle langue? En français. Or, le français, c'est la langue des Français. Et toute langue est véhicule de culture. Et donc, lorsque nous parlons français, nous nous inscrivons dans la culture française, qui n'est pas notre culture. Et donc nous vivons dans une culture d'emprunt. Je vais aller même plus loin. J'ai été invité une fois, il y a quelques années, en Espagne, à Madrid, pour présenter une conférence. On m'a exigé de parler l'espagnol. Vous l'avez déjà dit. Et j'ai parlé espagnol que j'ai dû apprendre, disons, tous azimuts. Hein. Et j'ai fait des émissions en espagnol. J'ai dit la messe et prêché en espagnol. Mais lorsque je suis dans mon pays, je suis obligé de parler la langue des autres. Et donc, je vis dans une culture d'emprunt. Et même ma manière de m'habiller, notre manière de nous habiller, Monsieur Kibambi est habillé en costume cravate. N'est-ce pas? Et nous sommes habillés avec les habits des autres. Monsieur Labbé, vous n'auriez pas quand même souhaité qu'on soit dans les habits, nos habits traditionnels? Non, mais écoute, quand je vois par exemple les amis de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, lorsque j'ai vécu au Sénégal, j'ai vécu à Dakar pendant quelques mois pour mon stage comme psychologue, eh bien là, j'ai apprécié le fait qu'ils s'habillent selon leur tradition. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question, mais pourquoi vous êtes habillé comme ceci ou comme cela? Ils disent, eh bien, vous savez que notre habillement est adapté à notre climat, est adapté à nos conditions de vie, n'est-ce pas, de l'environnement, n'est-ce pas? Vous ne regrettez pas un peu la Bacoste? Ben, je ne regrette pas trop la Bacoste. Hein. Je me dis tout simplement que il nous faut quitter
la culture d'emprunt et retrouver notre culture. Nous vivons avec une culture d'emprunt. Même dans notre manière de nous alimenter. Hein? Nous mangeons quoi? Nous mangeons quoi? Aujourd'hui, hein, je suis bien aise de manger steak, salade, frites. Hein? Mais écoutez, hein, la manière de manger, d'accord, ce que nous mangeons, oui, relève aussi de la culture. Tout à fait. La manière de manger relève de la culture. Je vous redonnerai la parole, monsieur. Voilà. Merci pour cette introduction. Monsieur Bonikaba, qu'est-ce que vous avez envie de dire après cette introduction lumineuse de M. l'abbé? Ben, je dirais que, toujours dans le domaine de la culture, nous sommes effectivement étrangers dans notre propre pays. Parce que nous ne sommes pas collés à nos valeurs propres. Nous sommes, jusque maintenant, mentalement décolonisé. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines ici, vous disiez que quand on va en Europe sans passer par Bruxelles, en rentrant, on vous dit, mais non, mais vous n'étiez pas en Europe. Si vous n'êtes pas passé par Bruxelles, vous n'étiez pas en Europe. C'est grave quand même. C'est quand même grave, ça. Je dis, non, moi je suis à Paris. Comment on va m'attendre de Bruxelles? Non, je n'ai pas été à Bruxelles. Non, vous n'avez pas été en Europe. Donc cela nous ramène toujours à cette question, à cette invitation d'Emabika Kalanda qui nous disait, au moment de l'indépendance, qu'aujourd'hui tout le monde maintenant sait que ce n'était pas ça l'indépendance, il nous dit, il faut remettre en question tout le système que nous héritons pour voir ce que nous pouvons garder, parce que c'est bon, ce que nous pouvons rejeter, parce que ce n'est pas conforme à nos valeurs. Nous avons toujours refusé de faire cet exercice. Naturellement, parce que la plupart de ceux qui ont pris les commandes de la République étaient finalement juste contents d'être dans les habits du maître d'hier. Donc, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Parce que c'était étudié, le colonisateur avait étudié, il voulait nous laisser ses marques, et il avait fait table rase de manière scientifique, savante même, de notre culture. Et donc, nous sommes restés. Et c'est vous qui me disiez tout à l'heure, on est allé jusqu'à nous dire, si votre parent, qui ne vous a pas averti, vient aux heures de midi, donne-lui le journal, il n'a pas droit à participer au repas. C'est grave. Hein? C'est très grave. Je ne suis pas en train de dire que c'était facile. Non. Ce n'était pas facile, effectivement, de se défaire de toutes ces pratiques qu'on nous a inculquées pour nous montrer que la seule façon de nous développer, de montrer que nous avons évolué, parce qu'on nous parlait d'évoluer, c'est-à-dire mentalement, qu'on a maintenant une mentalité d'homme de l'occidental, c'était ça. Alors, donc ce n'était pas évident que du jour au lendemain, on puisse comprendre, on puisse accepter qu'il fallait, disons, pas faire table rase, mais faire ce que Mabika Kalanda demandait. Dire, bon, d'accord, nous sommes pour le progrès, le monde évolue, etc. Mais nous devons voir dans ce que nous avons hérité, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Cet exercice-là, on pouvait le faire, mais il fallait de la volonté. Il n'est pas tard, c'est ce que nous prêchons. Non, il n'est jamais tard, mais disons que c'est ça qui nous a,
Il nous a retardés jusqu'à maintenant, jusqu'à continuer à faire des choses aujourd'hui, qu'on vous dise que vous n'étiez pas en Europe si vous n'êtes pas passé par Bruxelles, ben quand même, 63 ans après, je crois que ça montre que ça... Cédric est un de nombreux téléspectateurs pour vous dire que vous êtes téléspectateur. Et ne dites pas que c'est une émission des amis. Il m'a appelé la semaine dernière et Cédric est sur ce plateau. Cédric, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Vous avez la trentaine, j'ai failli vous tutoyer, mais enfin, dans cette émission, on ne tutoie pas souvent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Cédric? Ok. Merci pour la parole, monsieur Jean-Pierre. D'entrée des jeux, je commence d'abord par vous dire merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne pourrais commencer mes propos sans pour autant faire preuve de cette reconnaissance. Alors, étant donné qu'il existe une cohérence fonctionnelle entre la culture, le social, la politique et l'économie, permettez-moi de décortiquer très rapidement pour essayer de situer où se trouve le Congolais aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai eu à prendre trois années cruciales. J'ai pris l'année 60, 74 et 90. Je m'explique. Les années 60 sont pratiquement les années, comme vous le savez, dominées par les indépendances. Mais aussi, pendant ces années, on avait affaire à des Congolais qui avaient des repères, des Congolais qui observaient certaines valeurs, des Congolais qui étaient entre les valeurs ancestrales et ce que la civilisation les emmenait. Nous quittons les années 60, nous venons aux années 74. L'année qui marque la zaïranisation. Zaïrianisation. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre, de votre correction. La zaïrianisation. Alors, c'est pratiquement au cours de cette année-là où nous avions assisté à des changements qui ont impacté la société. Entre autres, l'accoutrement, entre autres, l'usage des noms dans le milieu administratif. C'est-à-dire que on utilisait plus les noms que Zahirois. Voilà, que les noms Zahirois que les prénoms. Et ce fait a impacté positivement notre société, bien que la fin n'a pas été trop bonne. La dernière année que j'ai prise, pourquoi je la prends? Parce que je me dis, c'est pratiquement autour de ces années-là que les choses ont commencé à chavirer. Alors, chose qui n'a pas été trop bonne. Au regard de ma petite analyse, j'estime que le Congolais aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Le Congolais aujourd'hui Pas de repère. Exactement. Le Congolais aujourd'hui n'a pas de repère. Le Congolais aujourd'hui a une crise de modèle. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Il suffit juste de jeter un coup d'œil aujourd'hui. Lorsque vous avez un député qui doit s'adresser, je sais pas moi, à une certaine foule, au lieu d'emprunter le lingala de Bakanja, vous serez surpris de voir que ce monsieur qui s'est dit un télo serait en train d'emprunter le langage quinois, c'est-à-dire ce qu'on appelle le lingala de la rue. Voilà, le lingala de la rue. Mais ça n'a pas de sens. Dites-moi, je suis dans cette foule et j'ai cette personne pour modèle. Qu'est-ce que je fais? Je m'attache à tout ce qu'il est en train de faire. Donc, face à cette situation, je crois que le Congolais aujourd'hui, comme je l'ai dit, je me répète là, est en perte de vitesse. Tout à fait, tout à fait. Monsieur l'abbé, on continue. Ce qui vient d'être dit, il y a peut-être des choses qui sont vraies. Et les jeunes gens qui nous appellent nous disent on manque de modèles. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est nous les journalistes qui devions commencer à parler le lingala de Makanja. Oui. Mais pas la population. Si vous utilisez le lingala de Makanja aujourd'hui, personne ne vous comprendra. Monsieur l'abbé, vous qui prêchez en lingala, c'est quel lingala? Mais le lingala doit être inscrit dans la formation, dans l'éducation au niveau de l'école maternelle. Ici à Kinshasa, en tout cas. Et à Lubumbashi, bon, ils apprendront le swahili. Au Kivu, ils apprendront le swahili.
à l'équateur, au Bas-Congo, ils apprendront en Kikongo, n'est-ce pas? Et on ajoutera les trois autres langues comme un complément d'apprentissage pour la culture, pour que nous soyons connectés les uns avec les autres, n'est-ce pas? Qu'aujourd'hui, je pars au Katanga, on me demande de m'adresser à des mamans. Et je suis incapable de leur faire une conférence en swahili, qui est leur langue de tous les jours. Et je suis obligé de parler en français. Je suis gêné. Je suis gêné. Alors que nous devrions avoir les quatre langues dans le programme d'enseignement. Déjà l'école maternelle. Vous voyez ? Et lorsque Cédric parle de crise de modèle, c'est modèle culturel. C'est le modèle culturel. Et la culture est une construction. La culture est la réponse de l'homme au défi de la nature. Très bien. Et alors, à partir de ce moment-là, les modèles culturels, il faut que nous les construisions. Il faut que nous les construisions. Des hommes et des femmes qui deviennent des modèles culturels de par leur manière de s'exprimer, de par leur manière de s'habiller, de par leur manière, je dirais, de manger, de par leur manière d'être. Oui. Quand vous dites construire, oui. Vous avez raison. Parce que vous savez, avec la musique, nous avons à un moment dominé l'Afrique, en Côte d'Ivoire, les gens voulaient apprendre le lingala pour comprendre ce que véhiculait la musique. J'arrive au Togo, où quelqu'un me raconte, grâce à Jeune Afrique, où habitent les joueurs de Mazembe, tel habite dans telle commune, parce que nous étions au fait de la gloire sportive à l'époque. Donc effectivement, on avait essayé de construire. Là, je vous donne complètement raison, monsieur Lamé. Donc c'est à construire. C'est à construire. Et c'est la culture qui va influencer le politique et l'économique. C'est la culture. Les valeurs culturelles, les modes de vie culturels, c'est ça qui va influencer. C'est à partir de ces valeurs qu'on comprendra, par exemple, qu'aujourd'hui, le politique, la politique, eh bien, ça doit tourner autour du service. Or, ce que nous constatons, c'est que la politique n'est plus un service. Ça devient une source, je dirais, d'enrichissement personnel, voilà. N'est-ce pas? Et quand tu apprends que pour 500 places de députés nationaux, où tu as 28 000 candidats, tu te poses la question de savoir mais pourquoi. Si on avait compris que être député, c'est être au service. C'est être au service. Je crois que beaucoup de gens ne se précipiteraient pas. Il y a un exemple. Oui, vous avez raison. Il y a un exemple que vous avez donné au cours de notre dernière émission, disant que dans notre culture, quand on prend le repas, même la personne qui passe est automatiquement invitée. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pratiquer complètement cette façon de voir les choses ne serait pas très économique. Oui, parce que on a une conception de l'économie. Aujourd'hui, lorsque nous posons la question de savoir où sommes-nous économiquement, eh bien, économiquement, nous sommes dans une économie du profit personnel, une économie de la consommation, et pas une économie de production et de partage. Nous sommes dans une économie de consommation. Et une consommation, j'allais dire, tout à fait
individualiste. Ouais. Individualiste, n'est-ce pas? Et donc, c'est... en fait, ça se résume à un adage que c'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est l'individualisme, n'est-ce pas? Eh bien, tu n'as rien, c'est ton problème, pourvu que moi je puisse avoir, n'est-ce pas? Et ça, tu n'as rien, ben débrouille-toi. Débrouille-toi, c'est la débrouillardise. Débrouille-toi. Hein? Article 15, hein? Que chacun se débrouille. C'est ce système économique-là qui a exclu la solidarité et le partage, la et donc, communion. Et donc l'humanité. Et donc l'humanité. Nous sommes dans un système économique où on a mis à l'avant-plan, je dirais, l'avoir, la possession des biens de manière égoïste, de manière tout à fait individualiste et où les autres sont exclus pratiquement. Une sorte de jungle. De jungle, oui. La loi de la jungle. C'est fort, non? C'est fort, mais c'est vrai. C'est peut-être difficile à accepter, mais c'est ça la réalité. C'est une économie sans pitié pour les faibles. Et les faibles sont pas nécessairement ceux qui sont comme... dans des pays où les choses sont organisées, où les gens ont des chances égales. On donne la possibilité à tout le monde de s'élever dans la société. Mais nous, on est malheureusement dans une société où l'argent a pris les dessus et l'accès à l'argent est devenu de plus en plus difficile. Privatisé. Privatisé. Et du coup, ça devient... on court le risque d'entrer dans une logique oligarchique qui s'inscrirait dans la durée. Donc c'est seulement les enfants d'eux et les enfants des enfants d'eux. Et ceux qui n'ont pas pu entrer dans ce petit cercle fermé, mais, eh bien, eux, ils se retrouveront toujours en marge, au bord de la route. Et je voudrais quand même revenir aussi sur les langues. Parce que nos langues, finalement... Est-ce que nous sommes fiers de nos langues? Parce que nous devrions d'abord commencer par montrer que nous sommes fiers de nos langues. Comment on montre qu'on est fier de sa langue ou de ses langues? C'est à toutes les occasions où les gens sont appelés à s'exprimer, montrer que s'exprimer dans une de nos langues est tout aussi valable que s'exprimer en français, par exemple. Un ministre parle un lingala qui est quelqu'un pour traduire. Pour traduire. Parce qu'à ce moment-là, on va montrer aux jeunes que non. Maîtriser une de nos quatre langues, ou même plusieurs, ce serait l'idéal. En Tanzanie, voilà, en Tanzanie, moi je suis toujours émerveillé quand je vois les députés à l'Assemblée chez eux parler... en Swahili, et très beau Swahili. Et oui, sans que vraiment la belle... Dans lequel le Katangais que je suis... Il se perd. Oui. Donc, il faut d'abord commencer par montrer qu'on est fier de nos langues. Mm-hmm. Ensuite, ne pas apprécier quelqu'un parce qu'il a bien parlé français. Mm-hmm. Non, mais parce qu'il a dit des choses valables. Il a dit ça en Lingala, ou en Swahili, ou en Kikongo, ou en Chiluba. Peu importe, l'essentiel c'est qu'on a montré qu'il a développé un sujet et qu'il maîtrisait dans sa langue. Mm-hmm, tout à fait. Si on commence déjà par ça, eh bien, avec le temps, on va arriver à ce que les amis tanzaniens font là-bas avec beaucoup de maestria. Oui. Et il y a ensuite la conception du pouvoir chez nous, le pouvoir d'État. Chez nous, c'est vraiment une conception tout à fait erronée. Parce que chez nous, ce n'est pas pour servir, comme l'a dit M. Labbé, qu'on cherche à accéder au pouvoir. On va au pouvoir, et ça malheureusement, c'est depuis 60, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le pouvoir depuis 60 a été considéré comme l'accès au patrimoine,
de l'État, parce que vous êtes un haut représentant de l'État dans un domaine ou un autre. Et donc, vous devez vous nourrir de cette position où vous vous trouvez. Et vous perdez de vue que vous êtes là pour servir les autres. Et cette conception, il faut absolument la changer. Et pour la changer, il ne faut pas continuer seulement à dire qu'on... Il faut vraiment organiser autrement la société pour que les gens qui cherchent l'argent ne soient plus tentés d'aller en politique. Ben, mon cher ami Modeste, ici il y avait l'ONATRA, il y avait des grandes entreprises, chez moi il y avait la Gécamine, chez notre ami Cédric il y avait la MIBA, mais ces messieurs-là, vous lui demandez d'aller en politique, il vous dit non. Est-ce que ce ne serait pas la solution, recréer ces entreprises, leur donner beaucoup de vitalité et comme ça faire en sorte que tout le monde n'aille pas en politique? Vous n'avez pas l'impression, mais, monsieur Cédric? Oui, moi j'ai... C'est par manque d'emploi que tout le monde va à la politique? Tout à fait. C'est pratiquement sur cette piste-là que j'allais atterrir. Mm-hmm. Et si vous me permettez de rebondir rapidement sur ce qu'a dit monsieur l'abbé. Mm-hmm. D'accord. Alors, le fait d'avoir une économie de consommation, c'est pratiquement c'est un niveau qu'on atteint, c'est une conséquence logique de la manque de production. Mm-hmm. C'est pratiquement à ça que nous assistons. Tant que nous ne produisons rien, nous allons consommer et nous allons pratiquement consommer de manière, je dirais, abusive. Sauvage. Voilà, merci. De manière sauvage. Il ne faut pas me suivre, hein. Moi je ne comprends pas. C'est pratiquement dans ce sens-là que j'étais en train de réfléchir, monsieur Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne les langues nationales, vous savez, lorsque vous êtes dans un État comme le Rwanda, cette population est fière de parler leur langue, le Kinyarwanda. Mm-hmm. Mais par contre, ici, on s'estime beaucoup plus intellectuel lorsqu'on parle les langues étrangères. Mm-hmm. Monsieur l'a souligné tantôt, il a été contraint d'apprendre l'espagnol. Mm-hmm. Chose que cet espagnol, c'est l'abbé espagnol, ne ferait pas ici. Mm-hmm. Il ne serait pas contraint de le faire. La grande question à ce niveau, c'est laquelle? Quelle place occupe dans le programme scolaire les langues nationales? Mm-hmm. Il l'a posé. Mm-hmm. C'est ça la grande question. Mm-hmm. Quelle place elle occupe? Alors, pour atterrir sur cette piste-là, nous avons 500 sièges. Sur 500 sièges à concourir, là. Il y a plus de 20 000 députés. Candidats. Merci, 20 000 candidats. Je crois qu'il n'est pas question de leur condamner. De vous à moi, dites-moi, quel est ce secteur qui paye mieux aujourd'hui que la politique? Moi, je ne ferai pas la politique pour ça. Hein. Voilà, vous faites une exception. Non, il y a plusieurs exceptions. Mais justement, il y en a qui vont y aller. Justement, oui. On peut faire un sondage. Sur ces 20 000 candidats, prenons-en 50. Posons-leur la question. Vous y allez pour vous servir ou servir les autres? Monsieur Modeste l'a souligné tantôt. La politique, elle a changé. De signification. Elle a changé sa face, son essence, c'est-à-dire la quintessence même. Elle a changé. Alors, pour que les choses reprennent le cours normal, il faudrait que les responsabilités soient partagées. Il faudrait que les responsabilités soient partagées. Vous savez, lorsque nous aurons découvert, lorsqu'il se serait découvert un secteur qui paye mieux que la politique en RDC, mm-hmm. vous verrez que le taux des candidatures va sensiblement baisser. Ou lorsqu'on changera, disons, on reverra à la baisse. Les émoluments et tout ce qui va avec. Vous le verrez, ce serait pratiquement une suite logique. Donc à ce niveau, moi je crois que pour ne pas se répéter, les responsabilités doivent être prises par les organes compétents. Mm-hmm. C'est-à-dire on doit assister à des réformes, alors des profondes réformes. Moi j'ai des enfants. Par moment, mes enfants prennent plus plaisir lorsqu'ils maîtrisent l'anglais, le français. Mais par contre, quand j'essaie de leur parler dans mon dialecte, ça leur amuse. Vous parlez bien, Chiluba? Ben, un peu, oui. Un peu, oui. Ah ben, un peu,
qu'est-ce que vous voulez m'apprendre aux gens quand vous parlez un peu? Le fait que je sois natif de Kinshasa, je n'ai pas la maîtrise que, par rapport à mes frères qui sont nés de l'autre côté. Oui. Conclusion, oui. Alors, en conclusion, comme je le disais tantôt, il faudrait que qu'il y ait des réformes. Alors, des profondes réformes. D'accord. C'est ce que je peux emmener. Monsieur Labbé. Ben, moi, tu m'avais posé la question, toi qui prêches en lingala, tu utilises quel lingala? Ben, moi, j'ai dit, j'ai appris le lingala à l'école primaire. On avait ce qu'on appelle le Mateama Lokota. Mm-hmm. Mateama Lokota, c'est la grammaire. La grammaire en lingala. Oui. Moi aussi, monsieur Labbé, en swahili. Et à la maison, en famille, j'ai appris à parler ma langue maternelle. Et c'était interdit de parler lingala à la maison. Papa et maman nous ont obligés à parler notre langue maternelle. Ce qui fait que, bon, disons, les cinq premiers enfants de notre famille, nous les cinq premiers, eh bien, nous parlons la langue maternelle. Aujourd'hui encore. Allez. Aujourd'hui encore, je parle, je n'ai pas oublié, je parle la langue maternelle. Qui s'appelle? Le Lokonda. Ah bon? Je parle le Lokonda. Et comme je suis né à Inongo, eh bien, j'ai appris, tout petit, j'ai appris le Lontomba. Mais j'ai oublié parce que bon, je n'ai pas eu la pratique, parce qu'à la maison c'est plus le Lokonda que nous parlions, et le Lontomba on comprend, mm-hmm, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que cette question de langue, avant que ça ne soit une affaire de l'école, du programme scolaire, ça doit être une affaire de famille. C'est en famille qu'on apprend la langue, dès le berceau, je dirais, hein, dès les berceaux qu'on apprend la langue, je dirais, comme on appelle la langue maternelle. Mm-hmm. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui se perd. Vous savez, je vais m'accuser, monsieur Labbé, parce que vous dites des choses très très bien. Chez moi, à la maison, il était interdit de parler le lingala, le swahili, et tout ça. Heureusement que mon épouse était là pour, à mon absence, apprendre aux enfants à parler le swahili. Aujourd'hui, tout le monde le parle correctement. Je m'accuse que je ne l'ai pas fait parce que je suis surpris, pas surpris, mais ce que vous me dites que vous ne l'avez pas oublié, ça me renvoie à mes études. Mais c'est parce que toi et moi, et presque nous tous, nous avons été formatés, mmh, par une éducation et formation coloniale. Mmh. Nous avons été formatés de telle sorte que celui qui s'exprime bien en français, c'est celui-là qui est considéré comme un évolué, voilà, comme un développé, voilà, n'est-ce pas? Et celui qui s'exprime en lingala, oh non, mais je donne un exemple très simple. J'écris des livres, j'écris des petits livres pour la formation de mes compatriotes. Et j'écris en français et je traduis mes livres en lingala. Très bien. Et ces livres sont imprimés en lingala, en français, et il y a des amis qui ont traduit en chiluba, il y a des amis qui ont traduit en swahili, et j'ai même trouvé mes livres traduits en kinyarwanda. Oh là. Quand je suis allé à Bukavu pour donner des sessions, eh bien on m'a donné des exemplaires de mes livres traduits en kinyarwanda, n'est-ce pas? Mais lorsque je vais donner une session, j'amène un lot de livres en français, un lot de livres en lingala, ici à Kinshasa. Ailleurs, j'amènerai aussi un lot en swahili ou en chiluba ou en kikongo, parce que mes livres ont été traduits dans les quatre langues de notre pays. Qui l'ont fait, les intellectuels? Moi, j'ai traduit en lingala. Oui. Il y a d'autres qui ont traduit en kikongo, en swahili et en chiluba. Donc, c'est un groupe d'amis. Sans chercher de rémunération. Non, hein, non. Fait pas plaisir ou pas. On a fait par souci de toucher le peuple, n'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? Je vais donner une session. J'arrive avec un lot de livres en français et un lot de livres en lingala. Eh bien, tenez-vous bien, à la fin de l'activité, je devine, tous les livres en français sont partis. Sont partis.
Et les livres en lingala, je me retrouve avec un grand lot, n'est-ce pas, de livres en lingala non achetés. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a une sorte de complexe. Même la personne qui ne connaît rien de français, il préférera acheter le livre en français parce que ça valorise. Or, et si tu as acheté en lingala, on dit, tu ne vaux rien. Hein, tu ne vaux rien parce que tu ne connais pas le français. Hein, et même si tu ne connais pas le français, achète en français et tu te feras traduire ça hein, par tes enfants ou tes petits-enfants ou tes amis. Hein, mais pourvu que chez toi, on trouve des livres en français. C'est un complexe d'infériorité contre lequel nous devons nous battre. J'ai dans ma bibliothèque, j'ai des tas de petits livres que j'ai sur la démocratie, sur les partis politiques, sur les élections, sur la non-violence. Eh bien, j'ai traduit tous ces livres en lingala. Eh bien, je garde chez moi des tas de livres en lingala qui n'ont pas été, disons... Il n'y avait pas eu de preneur. Voilà. Voilà. Et tout ce qui est en français, c'est déjà parti. C'est déjà parti. On a eu une bagarre, hein? Oui, c'est, en fait, c'est ça le problème central. Nous l'avons montré que la décolonisation n'a pas encore eu lieu. Ouais. Notre mental, nous sommes toujours en train de nous dire que Bruxelles... c'est le centre du monde. Voilà. Alors, comment voulez-vous que nous puissions comprendre que nos langues sont au cœur de cette décolonisation. Si nous n'arrivons pas à mettre en place une organisation qui permette effectivement à nos langues de monter en valeur, j'allais dire, eh bien, ça sera toujours comme ça. On a des ouvrages dans nos langues, personne ne prend, on ne prend que les ouvrages en français. Je vais vous dire un truc. Nous arrivons au Togo, alors j'avais un ami, j'oublie son nom, qui parlait le lingala d'ici, et nous sommes dans une famille des gens qui ont vécu ici. Mais vous savez, l'ami a eu beaucoup de succès. Il y a les filles qui étaient là, et les garçons. Ah bon, lingala m'a dit, vous le babouillez. Tu vois, il parlait l'indobile. Lingala est comme il boyait. Donc, c'est une langue qu'on aurait pu vendre. Oui, oui. Vendre, effectivement, grâce, t'es porté par la musique. Et voilà où on s'en retrouve aujourd'hui, monsieur l'abbé, c'est grave. Oui. Continuez, je vous ai coupé la parole. Donc, cette question-là, on ne peut pas croire qu'on l'évacue comme ça. C'est vraiment cela. Le cœur de tout ce que nous avons à faire. La réforme doit toucher d'abord cette nécessité de montrer que nos langues ont tout autant de valeur que les autres langues, dont le français, l'anglais, toutes les autres. Et que... Aujourd'hui, le chinois. Voilà. Et que nos dirigeants fassent tout pour le montrer. Pour montrer que nos langues ont effectivement une vraie valeur. Parce que ça doit commencer par là. Si nos dirigeants montrent que parler en français ou parler lingala, pour nous c'est pareil, à partir du moment où l'idée que vous développez tient la route, ben c'est bon. Oui, mais il y a un piège là. Vous savez, c'est que nos amis du Kenya, Tanzanie, c'est qu'ils ont tout traduit. Mais nous, si vous essayez. Hein, vous êtes ministre, vous allez sur la place de Bruxelles, vous parlez lingala pour qu'on traduise. Et il y aura beaucoup de mots français là-dedans, hein, et ça, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment que les traductions soient faites avec beaucoup de rigueur, monsieur l'abbé. Oui, absolument. Hein, absolument. Hein. Et je crois qu'il y a un sérieux problème. Cédric, vous aurez la parole. Non seulement la langue comme telle, hein, mais je crois, comme je l'ai dit et je le répète, la langue est le véhicule de la culture. Bien entendu. La langue est le véhicule de la culture, le véhicule des idées. Hein, les idées qui mènent le monde. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, si je pense en français,
Je pense dans la langue de Molière, je pense dans la langue de Shakespeare en anglais, hein. Je pense dans la langue en allemand, de Goethe. Hein. J'ai été obligé d'apprendre l'allemand, j'ai été obligé d'apprendre l'espagnol, hein, j'ai été obligé d'apprendre l'anglais. Hein, l'anglais, aujourd'hui, hein, c'est la langue de l'international. Absolument. Hein, tu veux par excellence. Quand vous quittez l'aéroport de Njili, si vous n'allez pas en France, si vous n'allez pas en Belgique, si vous n'allez pas en Suisse, allez le faire voir ailleurs. Hein. Mais regardez ce qui se passe ailleurs. Un ami m'a fait voir, qui est en Belgique, lorsque tu es à Bruxelles, où on parle, en Wallonie disons, où on parle le français. Dès que tu arrives à la frontière de la Flandre, on aborde le français. Terminé le français. Oui. Dans le train où tu es, eh bien, la langue change. Celui qui comprend, voilà. Attention. La langue change. Surtout si on parle en le flamand. Le néerlandais, vous voyez, j'étais jeune prêtre, à peine ordonné, on m'envoie aux études en Belgique et je devais intervenir dans une église à Leuven. Moi j'étais à Louvain-la-Neuve, je devais aller intervenir à Leuven en faveur d'un enfant zaïrois qui vivait là-bas et qui devait rentrer au Zaïre à l'époque, dans sa famille, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai été obligé de préparer mon speech en flamand. Heureusement, j'avais des amis de l'auditoire qui étaient des néerlandophones, des flamands. Eh bien, ils m'ont aidé à rédiger mon texte en flamand. Et j'ai répété, je ne connais pas le flamand, je n'ai jamais appris le flamand, mais j'ai dû pendant toute une semaine répéter mon texte avec l'aide des amis, les accents et tout, et le dimanche, j'arrive dans cette église, je fais mon speech en flamand, et tout le monde croyait que je maîtrisais le flamand. Alors pour vous faire rire, à un moment donné, après la messe, les gens viennent me parler en flamand, n'est-ce pas? Et moi, j'avais un seul mot, yaya, yaya. Dès qu'on me disait que je n'avais que ça. Mais pour dire quoi? Pour dire que nous devons valoriser nos langues. Nous devons valoriser nos langues et nous devons apprendre à penser dans nos langues. Pas seulement nous exprimer dans nos langues, mais à penser dans nos langues. Tout à fait. Vous savez, moi j'ai eu j'ai connu une aventure, je vais vous passer la parole, j'ai connu une aventure au village. Et puis mes amis me disent non, on ne joue pas avec toi parce que tu connais pas la langue. Je vais chez mon grand-père, il me dit oh, ils ont raison, il faut apprendre la langue. Et petit à petit, parce que chaque vacances on devait aller au village, et un jour avec mes amis, je parle quand même ma langue. On me dit maintenant tu peux venir jouer. C'est important. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, cher ami? On vous a privé de parole, Cédric. Oui, en fait, moi j'ai envie de réfléchir comme un ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, ou comme à la place de la culture et art, parce que c'est ça qu'il s'agit. Vous savez, les Chinois aujourd'hui, lorsqu'ils parlent mandarin, ils n'ont pas besoin, lorsqu'ils parlent une langue autre que le mandarin, ils n'ont pas besoin de la parler correctement. C'est-à-dire ils veulent juste faire passer le message. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait, la question que je me pose ici, qu'est-ce qui a motivé ce Chinois d'être si fidèle à leur mandarin? Voyez-vous, la langue, c'est l'identité. Absolument. La langue, c'est l'identité. L'identité, elle est incluse, elle est incluse dans la citoyenneté. Alors, on doit réfléchir dans ce sens-là. Ça veut dire ici, attendez, l'INC doit faire son travail. L'INC? Ça veut dire l'initiation à la nouvelle... Ça existe encore? Oui, je pense. Ça existe? Je pense. Je pense qu'il y a un ministère de tutelle? Oui. Je pense. Il doit faire son travail. Parce que il est beau de décrier ces faits.
il remonte de quand? Où nous allons? Je me rattache à monsieur, à une question très pertinente. Monsieur l'abbé. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Toutes mes excuses, monsieur l'abbé. Non. C'est pratiquement des interrogations perpétuelles. D'où l'on vient, où l'on va, où l'on est, où on va. Présentement là, je me rattache à vous. Parce que ce fait ne fait... Tant qu'on n'aura pas crié, on n'aura pas des solutions, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Alors, pour ce faire, il faudrait ici que les organes compétents des cultures et les organes compétents des nouvelles citoyennetés essaient un peu de rentrer pour que nous essayions de copier le modèle chinois, si je peux dire ça comme ça. Si on peut copier le modèle chinois. Parce qu'eux, ils n'ont pas honte de dire « là » à la place de « le ». Ça veut dire pour lui, l'essentiel, c'est que je comprenne. Mais ça soit... Voilà. Alors, vous savez, je me suis toujours posé la question, vous aussi, si on nous avait colonisé en flamand, on serait très réduit. Parce que nous arrivons en Chine et, bon, je rencontre un couple français. Et je dis, vous parlez français? Je dis oui. Ah, ils nous invitent à leur table et tout ça. J'étais content parce que là... Mais le français, mais c'est rien du tout. C'est au moins l'anglais. Ouais. Mais non, ouais. C'est extraordinaire. Il faut vraiment qu'on s'y penche. Monsieur l'abbé, peut-être que je voulais voir un... Oui, je crois que nous sommes en train d'entrer en profondeur. Ouais. Où sommes-nous? Ouais. Eh bien, nous sommes... Pour le moment, nulle part. Nulle part. Ah bon? Ouais. Nulle part. Cédric vient d'évoquer la question de l'initiation à la nouvelle citoyenneté qui est confiée au ministère de la Jeunesse. Hier, c'était confié au ministère de l'Information. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est confié au ministère de la Jeunesse, okay, qui s'occupe aussi de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Okay. Mais la question est de savoir quelle est l'ancienne citoyenneté que la nouvelle citoyenneté vient remplacer. C'est ça la question qu'on doit se poser. Et si cette initiation à la nouvelle citoyenneté va nous servir à entrer dans une culture d'emprunt, en ce moment-là, ça ne sert à rien. Disons, l'intitulé devrait changer. Voilà. C'est initiation à la citoyenneté, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas une nouvelle. Il n'y a pas une nouvelle citoyenneté. À moins que la nouvelle citoyenneté soit ce qu'on appelle la modernité, parce qu'on s'exprime dans les langues dites modernes, n'est-ce pas? Non. Il est temps que notre aujourd'hui puisse être différent d'hier. Ouais. Et que, quelque part, si nous nous posons la question, où sommes-nous sur le plan politique? Ben, nous sommes en train de patauger. Nous sommes en train de patauger. Parce que nous faisons des choses qui ne ressemblent pas à nos racines. À nos racines. Les racines ayant été perdues. Voilà. Hein? Sur le plan économique, nous sommes dans une économie extravertie. Sur le plan politique, nous sommes dans une politique extravertie. Sur le plan culturel, nous sommes dans une culture d'extraversion. N'est-ce pas? Et tout cela fait en sorte que le social ne trouve pas son compte. Ouais. Oui, mais c'est véritablement ça le problème, monsieur l'abbé. C'est tout à fait la bonne présentation des choses, parce que l'extraversion, malheureusement, même ce que nous devons considéré comme valable, nous le copions mal. Mm-hmm. Vous voyez, par exemple, en politique, nous avons montré que la politique, c'est le service. Mm-hmm. Jusqu'à preuve du contraire, ailleurs, on y va pour servir. Disons, là où ça marche, c'est bien. Mais nous avons perverti cela au point d'avoir 1000 partis, ça c'est vraiment... le record du monde, ça. En Europe, je ne sais pas dans quel pays, où on voit la première ministre aller à vélo. Mais chez nous, ce serait
Et c'est le jour où nous serons, comme pardonne l'expression, authentiques que les gens se diront « Ah, il y a quelque chose qui se passe oui. ». Et il faut y aller, Modeste. Il faut y aller, donc nous devons repenser. Nous devons repenser tout notre être. Parce que, manifestement, le chemin parcouru n'a pas été le bon. Nous devons tout repenser, nous dire, il faut rectifier le tir et prendre maintenant la bonne direction. En politique, nous devons avoir une conception du pouvoir d'État qui soit effectivement un pouvoir service. Et pour ce faire, nous devons accepter que les partis politiques soient effectivement des lieux où on a un corpus d'idées pour changer la société, améliorer les choses et attirer ceux qui sont d'accord avec vous pour que cela arrive. Et non un endroit où y a quelqu'un qui est l'autorité morale, qui rassemble autour de lui, un peu comme sa troupe, pour aller mieux négocier là-bas. Avoir une part considérable à la mangeoire. Donc, aussi longtemps que nous sommes dans cette voie-là, nous sommes à côté, sur le plan économique, si nous ne sommes pas dans l'idée que l'économie, c'est certes la production, mais aussi le partage équitable de la production. Si nous continuons à faire comme c'est le cas maintenant, seulement produire, et quelle production, c'est toujours à la marge. Mais partage équitable, donc le monde serait un paradis. Bon, pour le grand nombre. Donc ça doit tendre vers voilà. ça. On n'y arrivera peut-être pas tout de suite, ou peut-être jamais, mais que tout le monde sente que c'est ça l'objectif que vous êtes fixé. Très bien. Et que ça se sente. Voilà, c'est à ce moment-là que le social, justement, va trouver son compte. Parce qu'on va veiller à ce que tout le monde ait au moins ce qui est minimum comme point de départ. Et ensuite, on ira chaque fois en améliorant les conditions des uns et des autres. Je ne sais pas combien de minutes il nous reste. Cédric, vous allez prendre la parole. En guise de conclusion. Peut-être déjà une première conclusion, c'est on amorce l'atterrissage. Oui, comme je l'ai dit tantôt, pour moi, je pense que la valorisation des langues doit faire l'affaire des autorités compétentes. Tant que nous n'aurons pas... Mais pourquoi il faudrait seulement l'autorité? Parce que c'est... Vous savez, chez nous ici, c'est la mode. Hein? Oui. C'est l'autre qui doit faire. Oui. Mais invitons tout le monde à faire un effort. Parce que si nous disons c'est l'autorité, okay. Il faut que l'autorité sente aussi okay. que nous sommes derrière, nous suivons. D'accord. Oui? Alors, je vais donner un exemple pour revenir à ce que vous voulez dire. Je suis pratiquement le plus jeune de ces plateaux. Mm-hmm. D'accord. Alors, je suis un natif de Kinshasa. Je n'ai pas bénéficié de l'imposition, enfin, je n'ai pas bénéficié de l'apprentissage des langues comme de ma langue maternelle, comme mes frères qui sont nés de l'autre côté, par exemple. Alors, sur ce fait, je crois que ma génération aussi a sa part de responsabilité. Mais comment s'y prendre? Parce que si j'ai 30 personnes de mon âge qui sont nées sur Kin, il y a peut-être 10 qui maîtrisent plus ou moins bien la langue maternelle. Et les 20 autres qui n'ont plus des parents, qui n'ont plus autour de soi des personnes qui peuvent encore leur transmettre Mais la communauté peut changer, hein, la volonté. Mais justement, alors, à ce niveau, je crois que si l'État valorisait les langues, comme en clair, je veux dire, qui se crée des centres, je peux dire ça comme ça, des centres sur lesquels on apprend, par exemple, le Kikongo, le Chiluba, le Swahili, ça va redonner une autre valeur aux langues, à nos langues qu'elles ont aujourd'hui. Oui, Cédric, vous savez, ce que vous dites est intéressant. Parce que quand vous êtes en Belgique, vous voulez, non pas en Belgique, en Chine, oui. Vous voulez dire profondément quelque chose... afin qu'elle ne puisse pas être comprise par les autres. Vous pouvez parler dans votre dialecte. Oui. C'est toujours ça de bon. Oui. Hein? Oui. Bon, donc, il y a une certaine émulation à faire et si nous tous, nous y investissons, je crois que l'autorité
ne pourra que dire amen et nous appuyer. Cette situation nécessite l'implication de tout le monde. De tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer, comme j'ai dit tantôt. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Donc je crois que c'est ce que je pourrais dire en guise de... Oui. Et monsieur l'abbé, vous le disiez tout à l'heure, ici chez nous, on peut commencer... en fait, on attend que monsieur l'abbé commence. Alors que, quand une idée sort, il faudrait que tout le monde s'implique. Cette paresse-là nous amènera, fera en sorte qu'on va continuer à reculer. Je crois que au-delà même de cette paresse, il y a cette pratique de la recherche du bouc émissaire. Nous nous sommes posé la question de savoir où sommes-nous. Dans le « où sommes-nous », il y a des choses qui vont bien. Peut-être que nous n'avons pas suffisamment relevé. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas. Et très souvent, nous avons tendance à voir ce qui ne va pas et ne pas voir ce qui va. N'est-ce pas? Alors, dans tout cela, je crois que le plus important, c'est la prise de conscience dans cet exercice d'analyse de notre vécu aujourd'hui, la prise de conscience de la responsabilité individuelle, personnelle et la responsabilité collective par rapport à ce qui va et par rapport à ce qui ne va pas. N'est-ce pas? Que quelque part, chacun de nous puisse arriver à se dire, à se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour que notre société puisse arriver à ce qu'elle vit aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai omis de faire et qui a fait que nous en sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que nous avons fait et qu'est-ce que nous avons omis de faire? Cette prise de conscience de la responsabilité individuelle, personnelle et de la responsabilité collective, c'est la clé, à mon avis, du développement et du changement. Parce que si aujourd'hui nous devons changer, le changement doit commencer par moi. Oui. C'est moi qui dois changer. Oui. Je dois changer à partir de la prise de conscience de ce que je fais qui ne contribue pas à l'amélioration de conditions de vie, au développement de la manière de vivre dans notre pays, dans notre société. Je crois, si je ne change pas, je ne dois pas demander aux autres de changer. Par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Wewa soient d'une seule tribu, ils sont de toutes les tribus. Quand vous blessez, enfin, quand vous tuez un Wewa, vous êtes mort, hein, même si c'est lui qui est fautif. Ça, il faudrait que nous changions ça. Parce que nous n'avons pas le droit de nous rendre justice. Oui. Ça, c'est des scandales que nous devons condamner. Et ne pas laisser que les autres commencent, que nous tous nous commencions, que nous réagissions au cas où cette affaire arriverait, que tous on dise non, 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 on ne fait pas ça parce que c'est vous qui avez tort. Aujourd'hui, les Wewa sont dans toutes les tribus et les Wewa font n'importe quoi. Et quand vous en blessez un, la tendance, c'est que tous viennent pour brûler la voiture ou pour faire ceci. Ça, il faudrait que vous changez, que nous tous, nous changeons. Modeste, vous allez peut-être conclure cette émission. Eh bien, je crois que si, il faut conclure. On ne m'a pas encore donné le minutage. On va retenir le fait que le chemin parcouru jusqu'ici a été un échec. Ne pouvait pas ne pas nous faire arriver là où nous sommes. Parce que on a vu le point de départ d'où nous venions. Nous sommes rendus compte que, chemin faisant, nous avons oublié les valeurs qui étaient les nôtres pour épouser les valeurs d'autrui qui nous ont, que nous avons bien sûr mal copier ces valeurs-là d'autrui, au point que nous sommes arrivés à un niveau où, comme dirait l'autre, entre les os. Donc,
On est ni l'un ni l'autre. C'est Moutimbe. Ça, c'est Moutimbe. Donc, on est là. Flottant. Oui, pas tout à fait. Blanc. Blanc comme on voulait que nous soyons. Mmh. Et plus du tout. Noir. Noir authentique. Oui. Donc, entre les deux. Et cette situation nous a conduit à voir donc à faire des choses tout à fait de travers. Tout à fait de travers. Bon, je vous coupe par pour une seule minute pour dire ceci. Vous savez, ceux qui prennent le trop-plein, ouais, en fait, ils ne font rien finalement avec le trop-plein. Ouais, ouais. Ils dépensent tout ça, ouais, au lieu d'en faire quelque chose. Et au bout du compte, vous voyez les enfants chômeurs, les enfants malheureux quand le papa est parti. Alors que si le partage était équitable, mmh, il y avait moyen de prendre l'enfant de tel, de le changer, de le corriger. Et ça, c'est le travail de la société. Je vous donne une minute, cher ami Cédric. Oui, moi... Une minute, hein, parce qu'il reste trois et monsieur l'abbé doit avoir deux. D'accord. Alors moi, ce que j'ai envie de dire maintenant, là, c'est que la situation dans laquelle... La position dans laquelle nous nous trouvons maintenant doit faire l'objet de tout un chacun de nous, de l'analyse de tout un chacun de nous pour que nous sortions de là. Par rapport à la question qui se pose, la question pertinente de celle de savoir Congolais, où sommes-nous, je crois qu'il appartient à tout Congolais, comme l'a souligné monsieur l'abbé, que la prise de conscience doit être l'élément déclencheur pour que chacun de nous mette la main à la pâte. Merci. Vous êtes protestant ou catholique? Je suis protestant. Ah oui, parce que ne pas appeler monsieur l'abbé, hein, il faut qu'on vous appelle. C'est grave. Monsieur l'abbé, vous avez l'honneur de terminer cette émission. Où sommes-nous? C'est une question à laquelle nous invitons tout Congolais à donner une réponse. Ouais. C'est pour cette raison que nous avons initié ces émissions avec les cinq questions que nous avons annoncées au départ. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et où voulons-nous aller? Tout à fait. Je crois que aujourd'hui, nous sommes. Donc la prochaine émission, c'est où voulons-nous aller? Où allons-nous? Où allons-nous? Alors, c'est où voulons-nous aller? Où voulons-nous aller? Oui, où voulons-nous aller? Parce que nous avons déjà abordé où sommes-nous, où allons-nous. Où voulons-nous aller? Où voulons-nous aller? C'est notre projet. Voilà. Comment nous nous projetons dans l'avenir, dans le futur. Merci, monsieur l'abbé, l'émission est terminée. Je crois que ce que nous devons faire, c'est inviter tout Congolais à donner sa réponse à ces questions. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Et que tous les Congolais donnent leur réponse à ces questions. Et peut-être demain, nous pouvons nous mettre ensemble pour construire un pays plus beau qu'avant. Voilà. Monsieur l'abbé a débordé légèrement. Bon, ben, si c'est pour dire de bonnes paroles, pourquoi pas. Monsieur l'abbé, je vous remercie. Modeste Monicaba, je vous remercie. Cédric, je vous remercie aussi. Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Je ne sais pas pourquoi je veux toujours tutoyer. Bon, ben, dans les émissions sérieuses, on se tutoie pas. Bon. Merci. Dans 15 jours. Au revoir.